Et donc salut à tous les amis, c'est Pro36 pour une nouvelle vidéo sur Road Truck Simulator 2. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné dessus. Épisode 9, donc là j'avais déjà fait un épisode avant mais ça a bugué. Donc j'avais fait un prêt à la banque et j'avais acheté un Renault Premium Privilège comme c'est marqué là. Mais vu que j'ai un bug, si vous savez ce que c'est, dites-le moi. Je n'ai que 2 missions. Et vu que c'est pas là où je suis, bah, je suis un peu dans la merde. Et pareil, dans les missions rapides, j'en ai que 2, donc je suis obligé de prendre ce qu'il y a. Et celle-là, j'avais déjà commencé. J'ai la remorque qui est empalée dans la... Bah, je sais pas si ça va être exactement la même mission, mais moi j'avais la remorque qui était coincée dans le camion. Si c'est la même. Ah non, là c'est bon. Ça bug pas. Donc c'est parfait. Donc voilà. On est parti. Ouh. Donc ça, je disais, ouais, ça fait super longtemps que j'ai pas tourné. Bon, passe en force, rien à faire. Ça passe de justesse. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Un Road Truck. Donc je vais me remettre les touches. Bon, ça revient vite. Donc ouais, je me disais là, en ce moment j'étais pas mal concentré sur farming, même si j'en ai pas refait, et puis m'organiser avec les abonnés c'était dur un peu. Parce qu'en fait moi, quand je peux tourner, je suis chez moi et mon PC est dans le bureau, et dans le bureau il y a le bureau de mes parents, et quand mon père, vu que c'est le bureau, surtout il y a mon père, quand mon père est là, c'est pas que je peux pas tourner, mais ça le dérange. Parfois quand tu regardes la télé avec le casque et qu'il entend pas, bah je peux tourner, mais quand il est là et que vu qu'il peut être appelé à téléphoner tout ça, je ne tourne pas. Donc là par exemple on est mardi, il est parti, donc je peux tourner, donc je tourne quand j'en ai la possibilité. Et donc par exemple j'ai appelé un abonné, il m'a dit non là, je peux pas. Bah d'accord, tu peux pas, mais après t'étonnes pas si tu tournes pas avec moi. C'est juste ce que je veux dire, si vous voulez tourner avec moi sur farming, vous regardez la vidéo annonce et faut que vous soyez un minimum disponible, parce que moi je tourne quand je peux tourner, hein. Je suis pas le gars qui tourne des vidéos tous les jours quand il veut. J'ai une vie familiale, j'ai une vie sociale, je suis pas toujours là. Donc voilà, ça c'était la petite mise au point. Si vous connaissez pas, si vous savez pas que vous pouvez jouer avec moi à farming, 1, 2, 3, excusez-moi, vous allez voir la vidéo annonce que j'ai fait récemment, il y a une semaine ou deux. Oh là là, c'est cheaté ça. Bon, ah, peut-être qu'il faut que je remette le frein. Attendez. L'intensité de freinage, elle est comment? Parce que moi, je freinais brutalement. C'est pas là. C'est une option. J'espère que j'ai pas trop abîmé le camion. J'ai rien abîmé en plus. Il me reste 48 heures pour livrer. Puis je vais faire un peu mon terrorisme parce que j'en ai marre de respecter la loi. Oh l'enculé, il m'a percuté. Oh, ça va, c'est pas la remorque. En plus, ce camion il a pas de pêche, il avance pas là. C'est une charrette ce machin. Je croirais dans farming avec une charrue. C'est comme si on mettait une charrue sur un crâne. Ah purée, j'arrive même pas à passer là. Allez, allez, on passe la D12. Ah enfin. Heureusement que j'ai le mode no speed limit, parce que sinon ça aurait été pénible de rouler avec ça. Je m'arrête dans la côte, sinon je vais caler. Oh. Allez, 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 Robert. Ah, c'est ça, la passe. Donc là, on se dirige. Ouf. On se dirige à
Dortmund pour Dachère, donc ça c'est avec le mode des compagnies aériennes. On transporte des pommes d'agglomérés, c'est attendu entre mardi à 4h23 et jeudi. Ah oui, il y a de la marge. Et j'ai 45 heures, donc c'est bon. J'aurais pas besoin de faire de coupure. Donc c'est bon, c'est bon. Là, vous voyez, je roule un peu vite, c'est normal, c'est le mode qui permet ça. Attendez, là je regarde le chrono. Le temps sera pas exact puisque j'ai bugué, je vais prendre la vidéo. Parce qu'en fait j'ai fait un essai, ça a fail, j'ai recommencé et j'avais pas arrêté le chrono. Donc là faut que je regarde. Et voilà, normalement ça fait à peu près 7 minutes, là ça marque 9 minutes. Si on dit que j'ai fait 2 minutes de fail. Ok. Bon, on n'a rien vu. Purée, j'ai perdu le contrôle. Vieux camion de merde. Bon, j'arrive un peu vite dans le virage, mais quand même. Ouf, je me suis pris un de ces cartons. Oh là! Je vais être pénalisé, c'est sûr, mais. Prochaine fois qu'il me passe du bon matériel. Puis il y a des remorques qui tiennent mieux la route que d'autres, hein. Ça c'est de la grosse daube. Hein. Puisque si vous prenez une remorque de chariot élévateur, hop, je prends un raccourci. Ça m'évite de passer dans le virage. The Royal One again. Personne n'en voit trop. Merci à quelqu'un. Ouais, je me suis fait en plus dans les. Dans les mains. 1, 2, 3. Clignotant. Ça, c'est succès. Ok. Vous avez vu, je suis poli, je mets le clignotant. Peut-être freiner un peu maintenant dans les virages. On va remettre sur cette file. Au passage, si vous avez des jeux que vous voulez que je teste, bah donnez-les-moi. Comme ça, je les testerai. J'aimerais bien tester des jeux. À pas tester des jeux, mais changer un peu de jeu. Des jeux, bah, connus, pas connus, ça me dérange pas. Faut juste que j'arrive à me les procurer. C'est pas forcément plus dur. Donc voilà, comme ça, je pourrais faire des vidéos. Peut-être j'ai peut-être sûrement faire des vidéos sur FIFA. Même si je suis une merde sur FIFA. C'est pas grave. Ah, je suis pas une merde. Je me débrouille, mais dès que je joue en ligne, je sais pas pourquoi je perds. En carrière, je peux jouer contre la première équipe du classement, je la gagne. Dès que j'arrive en ligne, je perds. Pourtant, j'arrive à me débrouiller. Je sais pas. C'est la vie. Je perds en ligne. Ça. Ah, on dirait qu'il va pleuvoir là. Le temps est un peu gris. Oh! Mayday. Et voilà. Je suis obligé de faire le coup, hein. C'est pas possible ça. Je regarde par la fenêtre et voilà. Le destin a changé. Bon, de toute façon, là, je suis assez abîmé comme ça, j'ai plus besoin. Dès que j'aurai mon camion, ça ira mieux. Je l'ai, mais j'ai un bug, je sais pas pourquoi je redémarre mon PC. Mais bon, je sais pas que ça fait. Là, ça va. Je vais peut-être faire deux missions vu que celle-là aurait été rapide.
Les soirées, c'est surtout désastreux. Regardez la remorque dans le réseau, comment elle bouge. Je fais juste ça. Si je continue de faire ça en plus grand, je perds le contrôleur. Ou je prends le virage sur l'extérieur et rentrer à l'intérieur. C'est bon, c'est passé. C'est moi le truc, ça ne marche pas. Bon, le klaxon ne marche pas, je crois. Dès que je vais faire sur ma. Je vais vous lancer des défis sur Euro Truck. Je crois que je vais faire une vidéo annonce pour ça. Par exemple, vous prenez un camion, une remorque, n'importe laquelle, c'est pas. Et celui qui va le plus vite d'un tel point à un tel point. Ça pourrait être sympa. Bien sûr, par exemple, mais je ferai une vidéo annonce. Ce serait marrant, par exemple, d'aller de Paris, Paris-Amsterdam le plus vite possible en ayant le moins de dégâts possible sans se prendre d'infraction. Ce serait marrant. Comme ça, après, par exemple, vous pourrez m'envoyer vos gameplays. Je les mettrai, comme ça, ça sera un peu chaîne communautaire. Je ferai participer les abonnés. Ça sera cool. Au passage, merci pour les 750 abonnés. J'allais dire 7500, mais là, non, non. Donc pour les 750 abonnés, je suis super content. J'espère que je vais vous faire une surprise pour les 1000 abonnés, ça c'est sûr. J'espère les atteindre pendant les grandes vacances, là. Vu qu'on est dans les grandes vacances. Et je vous souhaite de bonnes vacances à vous. Ok, là-bas c'est feu rouge. Top, pop, pop. Voilà, esquiver. Ben, je vois que dalle en F7. Merde, encore un feu. Je peux le corriger. On peut pas passer par le bord. Allez, avance toi, grosse tête. Et voilà, si je passe au rouge, je pète un câble. Peut-être la remorque sera passée au rouge. C'est pas mon problème. Ça ne nous regarde pas. On les casse tout. Ah, kamikaze. Ah, vous avez peur. Bon, raboule de fric. Donc j'espère que là je vais pouvoir faire une mission tranquille avec mon petit Renault. Donc en fait si j'ai pas ma voix d'habitude c'est que je suis un peu mal. Je suis pas mal à la gorge. Mais à quoi que ça part dans combien de temps l'émission? 4 minutes. Ouais, je serai jamais là-bas. Attends. Bon bref, on va faire de la mission rapide parce que. Il y a sûrement un truc que j'ai pas. Je comprends pas pourquoi je n'ai que ça. Mais bon. Mission rapide. J'en ai que deux aussi. Oh, purée, encore avec un truc comme ça? C'est pas possible. Et en fret, il y a toujours rien. J'ai déjà exploré tout ça. Paris, j'ai juste exploré le concessionnaire. Bah, je suis obligé de faire la mission rapide. Ça expire dans 2 minutes, 3h51. Ouais, je vais faire ça. Vu que j'ai pas envie de reprendre un Majestic, bah, un Mercedes. Ah, je vous ferai peut-être la découverte d'un mode que j'ai trouvé. Je sais pas, je l'ai pas encore testé, mais je sais pas si c'est un bug ou. Quoi, et bah ça marque sur le, quand on veut choisir les moteurs, qui a un moteur de 1500 chevaux. Ah, 500 chevaux, ah, c'est bon, ça, on sent la différence. Et oui, avec un moteur de 1500 chevaux, j'ai pas envie de tester. Peut-être que c'est un fake. Soit cette remorque elle va pas tenir la route, ça pue ces remorques.
c'est rouge, ah non, c'est vert. Ouais. J'aime bien les Scania, surtout les puissants comme ça. Parce que la puissance, c'est bien. Donc, aussi, je le dirai dans la vidéo annonce, mais des petits défis au road truck, là, qu'on aura le droit de prendre des mods. Des camions modés, ça me dérange pas du tout. Il aura le droit au mode no speed limit, hein, ça me dérange pas, parce que sinon après ça va être dur de péter des temps de trajet. Donc, en gros, ça, je vous ferai la surprise du nom de la série. Je pense que je vais faire un truc de pas mal. Pour ça va être une mission qui est rapide, comme c'est dit, qu'il me reste que 1h23 de trajet. Et vu que je vais monter à 120 en plus, ça va aller d'autant plus vite. Allez, Jean-Michel, on monte à 120. Oh, je peux pas tourner, moi. Donc ça fait à peu près entre 15 et 10 et 20 minutes que je tourne. D'après mon chronomètre. Oh non, il y a un péage, c'est l'arnaque ça. Et j'ai essayé, je vous le dis, hein, au cas où vous voulez essayer, au péage de passer, de frôler une voiture derrière. Et ben ça marche pas. Vous voyez, par exemple, t'as derrière la petite, vous passez, vous la collez, et là, en fait, ça vous bloque même si la barrière est pas fermée. Ça c'est dommage, c'est très très dommage qu'on puisse pas gruger le péage, ça serait assez épique de le faire, mais bon, c'est pas grave. Donc là on est on va à Metz, non? Ah non, à Reims. Pour Carrefour, ouais, on livrait des patates. Ah, pas de patates. Hop. Il y a des gens dans mon rétro, mais j'en ai rien à foutre. Oh! J'ai même pas plus vite que le TGV, c'est cheaté ça. Non, c'est pas du tout cheaté. Heureusement que le TGV va plus vite que moi en camion. Il y aurait eu des problèmes. Regardez, la remorque qui tient pas bien la route non plus. Donc, les remorques qui tiennent le mieux la route, franchement, c'est les remorques, les plateaux à col de cygne avec. Un plateau quoi, avec soit des chariots dessus, des les remorques de verre aussi, ils sont bien. Et ce qui tient le moins la route là, c'est les trucs de pétrole, quand vous avez les bonus, la ACR, ACDR, pour transporter des explosifs, tout ça, et ben ça tient hyper pas bien la route. Ça va un peu rien dire ce que j'ai dit, c'est pas grave. Ah, le péage il était pas très long en fait. Bah, la distance, je vais payer en 7,80, un truc comme ça. Ça, c'est au moins. Contrôle radar. Bonjour. Ouais. Je me suis même pas fait flasher, alors que j'arrive à 110 dessus. Raben. Oh, tu vas me laisser. Je vais te voler. Regarde, je vais lui voler sa file de péage. Ça se fait pas. Mais là, si vous aurez essayé de passer, ça aurait pas marché. Ouais, avance. 21 euros! C'est du foutage de gueule. Tout ça pour. Alors qu'il me reste 20 minutes, j'aurais dû prendre une départementale. Mais je ne pouvais pas. Il y avait quelqu'un là? Ah non, je me garer. Si, merde, il y avait lui. Bref. On n'a rien. Ah, ça va tant que j'ai pas pété l'arbre. Et si vous vous dites pourquoi il paye pas 400 euros et il paye que 200, ben c'est tout simplement parce que j'ai pris un mode qui permet de mettre des vraies amendes. Le prix des vraies amendes, et c'est vrai. Oh, mais j'ai encore me prendre un accident. C'est bon. Et par exemple, pour les accidents, c'est 200. Défaut d'éclairage, je crois que c'est plus cher, c'est 350.
Infraction contre sens aussi, mais ça c'est. J'en fais pas trop souvent. J'en fais que quand je double des infractions contre sens. Ouais, on a découvert Reims. Bon, moi je suis un peu rincé. Hein, bref. On zappe cette blague pourrie. Wow, 110. Je suis même pas assez vite. Surtout que je vais me prendre encore un feu rouge. Ah non, ah si, peut-être. En tout cas, je vais devoir freiner assez brutalement. Ça va, j'ai bien. Ah mince, j'ai pas enlevé le frein. Attends. Parce que je ferais de frein à main, c'est plus marrant. Bah, au frein de parking, plus exactement. Ouais, Reims. Et j'arrive pour manger. Non, pour l'apéro. Qu'il est 18h. Et on est en plein été. Donc. C'est bien. Oh non, rien à foutre. Donc là je livre chez Carrefour. Oh Carrefour. Bon, je vais même prendre la peine de bien garer la remorque. Sans passer en mode extérieur. Ça fait bon fret de grande valeur. Faudra encore avoir du fret. Ah, j'en ai un peu plus. Oh, à Lyon, il y a du fret. De Lyon à Lyon. Lyon. Ah, oh, c'est nickel. Et par contre, est-ce que j'aurai le temps d'aller le chercher? Ah, c'est pas sûr. Vu que ça expirait dans 2 minutes. Le feu est rouge. Ah. Bon, pas. Ah. C'est bon. Et c'est pas le petit. On va inaugurer le petit Renault quand même. Voilà, c'est toujours chiant pour sortir. Et voilà. Mais t'es sérieux toi, tu t'arrêtes? Allez là, dépêche. Esquiver le panneau.
bah ça passe ou ça casse. Allez, on met les warnings. Admission avec le camion, c'est cool. Oh, j'ai eu un gros bug. Alors, bon, bah tiens, on va encore refaire une petite mission. J'ai essayé d'en prendre une pas trop longue. Ça, c'est trop. Ça c'est bien. Et en plus c'est juste là. En plus ça expire dans 5 minutes. Donc je le finis. Ah d'accord, j'ai même pas pris la mission. C'est la fête aujourd'hui. Voilà. Oh, voilà. Allez, vamos. La plage. Bon, ça doit être le premier feu de l'épisode que je vais respecter. Bon, c'est bon, ça passe. Oh, il y a encore un péage sur la route de Dijon, c'est vrai, ça je vais m'en rappeler. La sortie de tunnel qui a l'air d'éblouir un peu.
va y avoir un péage, donc je dois pas le mentir. Si je me rappelle bien, parce que peut-être que le péage n'est pas là. Si, normalement, il y a un péage. Je suis sûr qu'il y a un péage. Allez, ça va, pas de folie de plus vite. Vous me dites, en même temps, j'ai que 330 chevaux. Je vais vérifier qu'il y a un péage. Oui, il y a un péage, ça. Je suis pas passé. Allez, on a passé le péage. Ça va faire un épisode assez sympa, un peu long. Vu que ça fait longtemps que j'en avais pas fait, puis ça va bien. Ah, tu veux faire la course, toi? Et viens, fais la course. Allez. Y'a personne de l'autre côté. J'avoue, là, tu me doses. Tu prends ton aspiration. Ah oui, il n'y a pas l'aspiration. En plus, il pleut là, je sais pas. Je vais te doser sur chaussée mouillée. Et voilà. Bon bah, il pleut, c'est triste. Je me traîne. Ça m'énerve. Que mon camion n'avance pas et qu'il pleut, ça m'énerve. Ok, j'arrête. Bon, allez, là, on va peut-être passer la barre des 100 tout de même. Pom, 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 pom. 100, 100. Genre, c'était l'averse la plus longue. Jamais eu. Voilà. Ça arrête de pleuvoir. Peut-être, je pense que ça va faire un épisode de 40 minutes. Voilà, faut freiner sinon. Et voilà, je perds. C'est bon, j'ai pas perdu le contrôle vraiment, mais j'ai peiné à le rétablir en tout cas le camion. Allez, Bibi! Lâche rien, on continue d'accélérer. Petit run. Bon, dès que j'aurai la possibilité, j'essaierai de mettre
un plus gros moteur dessus, ça serait pas mal. Ce serait vraiment bien même. Ça serait plutôt bien de mettre un moteur assez puissant là-dessus. Oh, encore un péage. Il faut prendre un ticket. Non, là faut payer. Non, ça va. J'ai rien pris comme dégâts. Je suis à 20 minutes de ma destination. Je suis à 20 minutes de la destination d'arrivée. Donc je pense que ça va passer assez vite. Donc voilà, moi sur ce, je vous dis, mettez un commentaire, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, partagez sur les réseaux, ajoutez aux favoris. Et sur ce, à la prochaine les amis, ciao!